Isalahamin venanim torfiras. In uthenera narevas. Et bienvenue sur Dragon Age 2, c'était Camon. On se retrouve dans l'aventure accompagné d'une Dalassienne, la délicieuse Meryl, Meryl l'hésitante, la timide, mais en même temps une mage. Je ne sais pas encore quel genre de magie, elle fait des sorts verts, mais bref, on est avec elle. L'archiviste nous a dit allez-y avec, faites le rituel du collier de la sorcière dragon. On va voir ce qui se passe, on continue enfin, sixième épisode. Allez! Oh, bah, y a du monde là. L'archiviste a enfin trouvé quelqu'un pour vous emmener loin d'ici. Oui. Alors, finissez vite votre tâche, humain. Nous avons hâte de nous débarrasser de celle-là. C'est bizarre, quand même. Mm-hmm. Il y a une histoire là-dessous. Ouais. Ma décision est prise. Et je sauverai notre clan, peu importe ce que vous pensez. Je pense que Varric a levé un lièvre. Alors, y a-t-il un problème? C'est une belle montagne que vous... Ah bon? Allez, oui, c'est une jolie montagne, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Les terres brisées ont l'air très... brisées aujourd'hui, non? Beaucoup de... pierres et de terre. Voilà. Je suis désolée. Je ne voulais pas... Allons-y. Oh là là, les silences. Faisons vite. Ça cache trop de choses. On le devinera dans la suite d'aventure. Bon, un sac. On va trouver un... bibelot, non? Des potions, des pièces. Pas de plantes. On continue par où, du coup? Ah, attends, je regarde la... Je ne suis plus du tout habitué, c'est effrayant. C'est ça, on peut passer derrière. Ouais, ok. Super, là aussi. Et oui. Alors, vous voyez l'écran principal, mais en fait, je regarde la petite carte en haut quand je me dirige. C'est pas très clair au début. Ok. Ben, on va espérer s'en sortir comme il faut. Le passage des terres brisées, super. Alors du coup, comme on a Meryl en VIP, on est 5. Ça va être piquant. Je suis ça désolée. Cache quelque chose. Et le micro. Vous n'avez pas vu voilà. La fine fleur des Dalassiens. Voilà. Nous sommes un peuple bon, qui protège les siens. Enfin, pas aujourd'hui apparemment. Bah, en général, les elfes ont une bonne cote. Hein. Allez, t'es entre amis. Mais qu'avez-vous fait? À la limite, j'aimerais bien savoir. Il se passe des choses ici. Vous et Maretari ne m'avez pas tout dit. C'est un malentendu. Ça n'a plus d'importance. Ouais. Bien que mon peuple n'apprécie guère mes efforts, je dois en venir à bout. Bon, allons-y. Elle a une quête personnelle. Asha Bellanar est réputée pour sa patience. C'est ça, c'est Asha Bellanar, la sorcière. Mais oui! Ça me revient, ça y est, ça fait une semaine que j'ai pas joué. Eh bien, on est parti. On va tomber sur des araignées, je crois. Une petite grotte classique. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait une rivière là. Pause. Oh. Bon, Meryl l'a vu, ok derrière. On s'occupe de la première. Étreinte de l'hiver. Mes cacs, c'est bon. Oh. Alors, oui. On va faire un truc. Les flammes de l'enfer. Bump, bump. Oh, ça pue. Je suis en plein dans les araignées. Voilà. Non, mais on est super badass. Ok, ça l'a fait. Amyrachnophobe, bonjour. Essence de glande de venin. Oh, ça aura quelques pièces de cuivre. Là non plus. Ok. Alors si on regarde la map justement, hop, on voit qu'il y a un petit passage ici, ce qui est normal. Les petites lumières, j'ai regardé au plafond, superbe. Et on dans les gravats. Gants de l'œil de la spirale pour mage 14 et nécessite 21 magie. Oh, ils sont pas mal. On va regarder ça. On va regarder l'inventaire.
Électricité et dégâts 9, 12 par seconde. Ah, le spirituel est quand même beaucoup plus fort. Régénération en plus. Bon, même si j'adore l'électrique, c'est celui-là le top. Voilà, il n'y a pas le choix. On va essayer de faire plus de dégâts. Magie 21, je ne les ai pas. Pourquoi? Alors j'appuie sur la lettre C pour avoir le raccourci. Ok. Alors je mets 3 points dedans pour avoir ce gant-là. Et mon XP, je suis même pas rendu à la moitié. Bon, pas grave. On a changé de bâton. Alors ça, c'est classique comme déco. Hein. On retrouve les mêmes pièces, hélas. Mais bon. Pour l'époque, c'était un bon petit jeu. Argentite. Voilà, une nouvelle ressource. Ça, c'est cool. Alors là, ça pue. Cimetière de la montagne. Et là, on pourrait continuer. Attends, on va fouiller un peu. Hein. Ok. Là, on a un petit ruisseau. Et du coup, on a trouvé une quête secondaire. Le sceau de la maison Talvert. À rendre au marché de Hauteville. D'accord. Bon. Punaise. Est-ce que je vais réussir? J'ai pas le choix. Alors qu'est-ce qu'il fait comme dégâts? Pas terrible, pas terrible, pas terrible. C'est pour ça que je préfère l'électricité. On va laisser le cac faire le taf. Aveline s'en sort. Allez. En fait c'était boule de feu que j'ai fait. J'étais trompé. Ok, ça gère. Ça gère. Non, c'est bon les amis. Alors, ce que je vais faire, c'est baisser un peu le son de mon casque. Parce que... Alors, dégâts nature 13. Avec un bonus en feu. C'est pas mal. Que l'autre a un résidence mana. Je fais du feu, mais du coup, qu'est-ce que fait? Ah, mais j'ai pas accès à Meryl encore. Spirituel. Spirituel, ouais, mais nature. Avec dégâts de feu, on va prendre ça. On va le tester. Je trouve pas très convaincant pour l'instant tout ce qu'on a fait. On va fouiller en haut avant de prendre le passage. Des petits champignons, mais ça se ramasse pas. Oh, des squelettes. Attends, c'est moi qui ai fait ça? Ici. Meryl fait du staff à côté, excellent. Étreinte. Voilà, congelé. Oh punaise. Des démons. Allez, dégâts du feu. Les animations sont excellentes. Guerrier de l'ombre. Donc je fais les mêmes dégâts que Meryl, c'est bien dégâts de la nature qu'elle est. Ok, ce sera pour toi ma puce. On verra ça dès que tu intégreras l'équipe. Il y a une épée qui est abandonnée. Il protégeait un coffre. Vous voulez que j'y jette un coup d'œil? Ouais, parce que j'y arrive pas du tout. Presque. Ouais, ok, c'est pas énorme, c'est pas fantastique, mais ça le fait quand même. Bon. À nous. Allez, on va descendre, voir ce qui se passe en bas. Cimetière de la montagne. Oui, on rassemble le groupe. Ok, on a passé. Il y a des choses cachées là, pareil. Cette pièce d'argent. On est bon. Pas de petites plantes. Ok, on a fait tout le tour, on est monté un peu plus haut. Bon, Meryl, à toi de jouer. Là, ouvrez bien vos yeux. Je peux trouver une solution. Un instant.
D'accord, ça n'avait rien de normal. On est complètement c'était d'accord. C'était de la magie du sang. Oui, c'était de la magie du sang. Mais je sais ce que je fais. Les esprits nous ont aidés, non? C'est vrai qu'ils nous ont aidés. Et moi, je viens de régler mon micro. La voix est meilleure. Il était temps. Ouais, c'est le démon qui t'a aidé. Appelez ça comme vous voulez. Vous avez invoqué un démon. Les démons ne sont que des esprits. Non. Comme l'honneur ou la joie. Ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Prudence là-haut. Les hauteurs abritent des choses étranges. Pire qu'un démon. À l'époque d'Arlatan, les anciens venaient dormir ici. Ils appelaient ça Utenera, le rêve sans fin. Utenera. Mais ils ne dorment plus paisiblement. J'aime bien les petits murmures là pour dire viens, viens. Alors Aveline, amitié 5, ça c'est cool. Féa, je te mets au défi, je suis sûr que je peux emballer Aveline. On va essayer. Moi, je suis persuadé, têtu. Il y a des choses à looter, mais il y a aussi des morts pleins de flèches. Ça pue les zombies, ça. Ou c'est Scott qui vont se réveiller. Champignons. Champignons. Ah, comptez pas sur moi pour faire la voix de Gollum ou d'un Hobbit. Hein. Je suis pas aussi fort que Bob, Lennon. L'hôtel est là pour le rituel. Il n'y a rien d'autre à ramasser. Bon, bah, on y va. Ah! Pause! Étreinte de l'hiver, c'est parti! Et comme par hasard, le mage a disparu. Un mage de sang, regardez. Oh la vache, attends, c'est énorme. Carver, qu'est-ce que tu me fais? C'est génial. Du coup, flèche multiple, ça serait... Précision, vas-y, merci. Aveline, tu le sens comment? Tu le sens bien. Donc c'est à moi de jouer. Voilà, on le finit. On va aider Aveline, c'est le tank. Là, il n'y a plus rien, on est d'accord. Hein. Et le mage de sang est au fond. Voilà, je suis en train de la poutrer. Oh punaise. Hey, il y a eu quelque chose là. Voilà. Congélation. Destruction. Les flammes de l'enfer. Il est assommé, regardez, il est assommé. Meurs. Ce mage maudit. On va lui envoyer une boule de feu. Ah mais c'est... Regardez le bump qu'il m'a fait. Guerrier de l'ombre. Bon bah là on le finit. Ouais, on est quand même nombreux sur lui. Hein. Je n'avais presque plus de vie. Punaise, j'ai pas fait attention. Et je commencerai le rite. Ah, c'est là qu'on voit que le tech est rouillé. Je n'ai pas pensé aux potions. J'aurais pu perdre des choses. C'est pas grave. Tant que un est vivant. Alors oui, on va déposer l'amulette. Mais avant, mana endurance, dégâts de feu. Oh, c'est beau ça. Ok, le champignon est toujours là, mais on peut le ramasser qu'une fois. On a eu un loot intéressant. On va rester sur le dégât de feu pour l'instant. Alors, le bijou. Mana endurance plus 6. Régène de 2. Ok. Ouais. Pour l'instant, c'est moi qui suis gâté. Allez, on va faire l'amulette. C'est parti! Là, on a commencé à avoir un combat assez piquant. Aharen namelana salin. Ema iraberas suviranan. Isalahamin venanim torfiras. In uthenera narevas.
Ah, je crois qu'on la connaît. Magnifique. Nous y voilà. Andaranatishan, Ashabelanar. Voilà une représentante jeune et brillante. Me connaissez-vous au-delà de ce titre? Je n'en sais que peu. Alors, debout. Les gens mettent genoux à terre trop facilement. Il est bon de voir que certains sont capables de tenir leurs promesses. Je voyais déjà l'amulette au fond de la poche d'un marchand. C'est vrai que tu nous as sauvés. J'ai accepté de transporter l'amulette, mais vous auriez pu me dire que vous étiez dedans. En partie. Mais une partie dont j'avais besoin. Un gage de sécurité si l'inéluctable devait se produire. Et connaissant ma Morrigan, c'est déjà fait. Ta Morrigan? Suis-je censé la connaître? C'est une jeune femme qui sait mieux que tout le monde ce qui est mieux. Énigme. Et pour cause. Je l'ai élevée ainsi. Je ne peux attendre moins d'elle. Je n'arrive pas à savoir si elle est votre fille ou votre ennemie. Elle non plus. Oui, déjà, pourquoi est-ce qu'on l'a transportée? Pourquoi m'avoir poussé, moi, à vous amener ici? J'avais un rendez-vous. Oh là, ça pue. Ça pue tout ça. Et parce que je ne voulais pas être suivi. Et pour votre discrétion, je vous félicite. Allez, on va se marier. Allez, inutile cette question-là, mais bon... Je ne comprends pas. Êtes-vous une sorte de vision? Ah, mais elle est excellente hein, dans la répartie. Dois-je me trouver en un seul endroit? Un corps est si contraignant. Je ne suis qu'un fragment séparé de l'ensemble. Un débris auquel s'accrocher dans la tempête. Ok. Vous complotez moi, quelque chose, n'est-ce pas? Le destin nous attend, cher enfant. Nous avons fort à faire. Un dernier conseil, avant que je ne parte. Nous nous tenons au bord du précipice du changement. Le monde craint sa chute inéluctable vers les abysses. Observez pour le moment, et le moment venu, sautez sans crainte. C'est seulement en tombant que vous saurez vraiment si vous savez voler. Oui. Que dois-je faire? Faites comme moi. Voler. Vous ne serez jamais un dragon. Cela vaut aussi pour vous, mon enfant. Il n'y a pas de chemin plus sombre que celui que l'on suit, les yeux fermés. Maseranas, Ashabelanar. L'heure est venue pour moi de partir. Je vous témoigne ma gratitude et ma sympathie. Donc c'est elle qui mènerait le jeu, je sens. On la reverra, on verra bien. Pour l'instant, mission réussie. Meryl, qu'est-ce qu'on fait? On se casse? Tiens, je me disais, je ne sais pas d'où vient le nom de Terre Brisée. Ça ne vient sûrement pas des elfes, si? Personne répond. Une fois, deux fois. Bon, bah allez, on rentre. Je pense qu'on retourne voir l'archiviste. Non, c'était les champignons qui brillaient. Je crois qu'il y avait un loot. Et on repasse par là. Bon, alors c'était un fragment de son corps entier. On avait des choses à faire. La carte, qu'est-ce qu'elle me dit, tiens? Je suis rendu là. Eh oui, et puis il faut aller là. Mais on peut aller au plus... Oh, punaise! Ah, la surprise! Est-ce que je l'attaque comme ça? Non. Ah, mais j'étais pris dans un piège à loup! Ça touche personne. Et en même temps, je sais pas qu'il aille attaquer Meryl. Boule de feu. Ok, on est bon. Oh, danger.
Bump, glace. Allez les mecs. Attends, tu vas voir. Varric, c'est bon. Je regarde toujours derrière un petit peu. Mais ça le fait. Ah, ça le fait plus. Du coup, on va se fâcher. Ouais. Allez, j'ai des bonus. C'est le mage qui m'a touché. Là, je suis en train de me reculer en arrière. Oh la vache! Il faut que je me régène parce que. Ah oui, il m'a attiré. Il fait une tempête de feu. Et j'ai pris en normal, hein. On va prendre Aveline. On va prendre une potion quand même. Un petit breuvage d'endurance. Voilà. À nous jouer. Bon. Oui. Voilà. Suivant. Et il reste ce revenant. Ah mais on a fait les potions. Il est chaud. Tout prendre. J'entends des cris. Démoniaques. Non, c'est bon. Ah, est-ce qu'on a eu un cadeau intéressant? De l'argent. Oh, on reviendra au camp, mais là, je vois qu'on peut explorer. Il y a des choses encore. Il y a du loot, Coco. Je n'aime pas beaucoup certaines des personnes avec lesquelles vous vous êtes allié, Carver. Ah. Parlez-en à mon frère. C'est lui qui commande. Peut-être, mais je sais que vous savez vous débrouiller. Je pense qu'il faut les écouter. Cette cité regorge de gens condamnés à suivre la mauvaise voie. Je ne veux pas vous voir prendre le même chemin. Vous demandez d'arrêter de m'espionner, changerait-il quoi que ce soit? Non. Ah. La rectitude d'Alveline. C'est pas gagné, hein. C'est un sacré défi. Je ne pense pas être capable de faire ça. Varric, est-ce que t'as le niveau en ruse? Ce n'est pas vraiment mon truc. C'est vrai. La ruse augmente la défense de toutes les classes, affiche des dégâts par critique, éteint aussi la capacité des voleurs à crocheter. Ouais, t'as déjà 17 en ruse. Ah, c'est pas cool. Non, c'est impossible. Ah, je suis frustré là. On n'aura peut-être jamais cette map encore une fois. Ah mais attends, on part jusqu'où comme ça? Ah oui, la carte nous dit de retourner en arrière, d'accord, mais moi je fouille tout. Hein. Pour avoir de l'argent, les 50 souverains, comme ils disent, un patron rune de foudre. Ouais, ça vaut le coup ça. En même temps, j'ai jamais posé de rune au sol dans ce jeu. Ok, on peut pas aller plus loin, c'est interdit. Et ça a activé... Oh bordel! Guerrier de l'ombre. Alors là, on va essayer d'en tuer un petit peu. Et on va faire cela. Allez, on prend du recul. Je leur fais confiance pour l'instant. Je surveille leur vie. Je surveille leur vie, mais moi je vais prendre cher. Voilà, allez. Ça passe. On va en choisir un qui est fort. Assez. Il n'y a rien derrière. Mais finalement on s'en sort. Il y a toujours ce guerrier de l'ombre. XP, personne n'a monté? Sérieux? Attends, j'avais espéré là avec le coffre. Bon. Oh, c'est pas mal ça. Deux armes. Paf. 24 en dextérité.
tu rigoles. C'est plus pour voleur, ça? Attends, je reprends. Ah, c'est bizarre, ouais. Une épée à deux mains pour voleur. Bon, bah, on a tout fait. Ok. On retourne à la sortie. En même temps, ça aurait été exclusivement pour Meryl. On va aller jusqu'au bout, on va valider la quête. Je pense qu'on va après se poser. Voilà, rien à faire. Pas assez d'XP. J'espère qu'il sera toujours là, ce coffre, qu'on reviendra. Petit jogging, petit footing. Ouais, tu cours, tu cours, tu cours. Le campement est en bas, d'accord. Oui, bah on va revenir. Il n'y a aucun problème. On est obligé de passer par le tunnel à nouveau. C'est pas que ça m'embête, mais quand même, quoi. Maceranas, mon enfant. Votre dette est réglée. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis, Dalen. Dareth Chiral, archiviste. Je suis prête. Allons-y. Donc elle quitte sa tribu d'Alassienne, d'accord. Elle vient avec nous. C'est confirmé. Un peu triste quand même, hein, Meryl. Elgarnan. Est-ce vraiment l'endroit où vivent les elfes? Hélas, oui. Ce n'est pas le plus beau quartier de Kirkwall, mais vous n'avez pas une vue sur les chaînes géantes, c'est déjà ça. Je ne pensais pas que ce serait si... si... glauque. Je n'ai jamais vu autant de personnes en un même lieu avant. En plus, il y a des mecs qui font les pantins personne. Derrière, qui remuent les bras bêtement, regarde. Non, sérieusement, je suis là. Vous me connaissez déjà. Oh. Vous ferez d'autres amis bien assez tôt. Je vous remercie. J'aime bien ces tatouages, par contre. C'était merci bien. Pour tout. Pour votre aide. Très Sylvain. Vous viendrez me rendre visite? Pas maintenant, bien sûr. Mais peut-être plus tard. J'aurais bien besoin de compagnie. Y a pas de cœur, on drague pas, ça me va. Ça me plairait, Meryl. Après, on peut faire le grand chelem. Je dis trop, on peut essayer d'emballer toutes les filles du jeu, mais bon, j'y crois et pas. Je pense. Ne me demandez pas pour les garçons, c'est pas pour moi. Chacun ses goûts. Mais c'est faisable. Alors voilà, donc maintenant, Meryl a rejoint notre groupe. Ça tombe bien. On va virer Aveline qui est dans la rectitude et on va prendre une copine avec nous. Que si on fait des trucs sales la nuit, il vaut mieux pas qu'Avenue soit là. Et on va en profiter. Donc là, on a le bâton nature, d'accord, 13, 18. Et toi, tu as un bâton nature 9. Ah, moi, c'est un bâton d'excès que je veux. Du coup, on va changer. Alors, soit de la régénération plus 5, soit un burst de 14 points. Dégâts physiques. Allez, on le prend. Et on t'offre celui-là. On verra si ça marche avec elle. On verra le stuff. Du coup, ici, je peux rien donner. Rien du tout. Mais on va augmenter tes capacités. Comment ça se passe? T'as un petit peu en élémentaire, boule de feu. Attends, d'abord les attributs. Ah non. Sur quoi on part? Paria d'Alassien. Toujours senti à l'écart, ses choix n'ont fait que creuser le fossé qui la sépare des siens. Bah ça y est, elle est partie. Alors si elle m'aime bien, coup proportionnel du sang de la première, un point de santé procure, un point de mana. Donc c'est la magie du sang, elle. On est parti dessus. Imperméabilité aux soins conventionnels. Ouais, c'est ça. Blessure du passé. Dégâts physiques 80. Armure de l'ennemi temporairement 0%. Waouh, c'est balèze. Le courroux des Elven. Dégâts 16 dégâts par 4 secondes. C'est un tic, ok.
Elle invoque des vrilles de magie naturelle brute, appelant les ennemis. C'est pas mal ça aussi, les jets de pierre. Très rare, même parmi les archivistes, le sort de jet de pierre permet à Meryl de rejoindre aisément un allié en se déplaçant sous la terre. Ok. Articule, tech, articule. Ici, l'arcane. Donc le spirituel peut-être. Le bump. Le bouclier mystique. La cage. Ouais, bah pas terrible ça. L'esprit. Ah, c'est ça. Elle a déjà le carreau d'esprit. Bombe vivante. Dégâts spirituels. La moitié de la santé maximum de la victime contre les cibles alentour à l'explosion. Oh, c'est bien ça. Régénération 5% par cadavre. Et c'est la mana, d'accord. Oh, il enlève en plus les castes qui sont sur nous, d'accord. On va commencer par la bombe vivante, ça me plaît beaucoup. Ah, je peux en faire plus ? D'accord. C'est pas mal, pas mal du tout. Salutations. Alors, les créneaux. Carreau de l'esprit, point de pierre, d'accord. Et moi, j'ai du coup, ça se développe tout seul. Ce que j'utilise souvent, d'accord. Comment va votre femme ? Toujours en convalescence ? Ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Écoutez, on va prendre la quête là. Je pense qu'on va arrêter après. Votre perte, maîtresse. Mais je ne peux montrer de clémence envers votre fils que s'il se rend de lui-même. J'essaie de le trouver, mais... Les Templiers ne tolèrent aucun apostat. Ce sera mère si nous ne faisons pas attention. Oh, sympa. Bon... Vous êtes dedans jusqu'au cou. Non, on est comme le héros de Ferelden, je dirais. Votre fils semble avoir des soucis. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire ? Et voilà. Vous avez tout entendu et vous voulez encore m'aider ? Un apostat ? Oh, merci. Je m'appelle Ariani. Mon garçon, Fenril, il est tout ce que j'ai. Il est ma seule famille. Quand j'ai su qu'il connaissait la magie, je n'ai pu me résoudre à l'envoyer au cercle. Mais son lien avec l'immatériel, il lui donne des cauchemars, des visions de démons parlant à son esprit. Je préfère l'abandonner au cercle qu'à lui-même. D'accord. Il est déjà infesté par le démon, ça pue. Mais elle veut le mettre au cercle. Où se trouve Henry, les voûtes à la sienne ? Bah, vu les oreilles pointues, oui. Alors la question con, on y va quand même. On dirait des tatouages d'Alassiens. Pourquoi vivez-vous en ville ? Je suis né parmi les Dalassiens. Mais je suis arrivé à Kirkwall il y a longtemps. Pour un humain. Vincenzo. Ah. Quand j'ai su que j'étais enceinte, ni Vincenzo, ni ma tribu n'a voulu assumer le fardeau d'un enfant mi-elfe, mi-humain. J'ai élevé Fenrir. Un semi-elfe, ici, d'accord. Dans le Backlot. Votre fils s'est-il enfui ? Il a appris que j'avais contacté Ser Trask. Il a senti que j'avais trahi sa confiance. Il pense pouvoir s'en sortir sans le cercle, mais j'ai peur que sans l'entraînement idoine, il ne se tue. Allez, c'est parti. Que voulez-vous que je fasse exactement ? Trouvez-le simplement. Emmenez-le en lieu sûr. Je ne sais pas où Fenril est allé, mais vous pouvez commencer vos recherches en deux endroits. Ser Trask l'a cherché. Parlez-lui pour savoir quel secteur il a déjà ratissé. Il est à la potence. Et le père de Fenril, Vincenzo, est revenu il y a peu dans Tiva. Il est marchand au bazar de la basse ville. Fenril est peut-être allé le trouver. Vincenzo, c'est le père qui l'a rejeté. Trask, d'accord, c'est l'enquêteur. On va quand même demander comment est ce Templier. Parlez-moi de ce Templier. Je pense que c'est un homme bon. Il ne hait pas les mages. Mais il a conscience que même les meilleurs d'entre eux sont en proie à une force latente. Chose que j'ai mis du temps à comprendre. Alors, ils ne vous font pas toujours disparaître, en fin de compte ? Il existe des Templiers bien moins amicaux que lui. Ah, t'entends ça, Carver ? Pendant ta tête. Soyez sans crainte. Je ferai au plus vite pour ramener votre fils. Il a le droit d'aspirer à vivre libre des chaînes du cercle. Comme tout le monde. Ah oui, mais il voudrait la liberté. Le petit semble être à deux doigts de devenir une abomination. Trouvons-le, vite ! Merci. Nous cacher n'a que trop duré.
C'est presque un soulagement que de révéler cela. Voilà, on va se quitter là-dessus. Alors, il faut bien comprendre, on parle d'abomination, on a commencé à en taper. C'est ce qui se passe, pourquoi les Templiers font ce boulot-là. Le mage est sympa, il s'amuse tranquille. D'un coup, comme Meryl, il joue avec le sang. Mais si le démon l'infecte, il se transforme en abomination. C'est ce qui arrive apparemment au semi-elfe Fenrir. On essaiera de le sauver au prochain épisode. On verra tout ça. Aujourd'hui, c'est grâce à nous, Meryl nous a rejoints. C'est déjà pas mal. On a revu la dragonne aussi. Conclusion, prochain épisode, l'aventure continue. Merci à vous de m'avoir regardé, c'était Camon. Et promis, on essaiera de ne pas être mauvais. Allez, tchuss!